Ce mémoire de master anatomie que nous allons vous présenter est un guide d'anesthésie locale et loco-régionale destiné aux externes et aux internes en médecine. Il est principalement orienté sur la prise en charge des plaies aux urgences ainsi que pour des actes plus anecdotiques tels que la réduction de luxation de doigts. Premièrement, nous allons aborder les indications, contre-indications et complications inhérentes à l'acte anesthésique lui-même. Nous allons ensuite aborder de manière très brève la pharmacologie des anesthésiques utilisés en pratique. Enfin, nous allons effectuer des rappels anatomiques concernant les zones que nous étudierons, à savoir la face et la main, pour finalement parler de la réalisation des anesthésies elles-mêmes. Avant de commencer, il convient de différencier anesthésie locale et anesthésie loco-régionale. L'anesthésie locale correspond à la suppression de la sensibilité sur un territoire limité au champ d'application du produit anesthésique, qui peut se présenter sous différentes formes, par exemple la voie injectable sous-cutanée. L'anesthésie loco-régionale correspond à la suppression de la sensibilité d'un territoire d'innervation connu. Elle est obtenue par interruption de l'influx nerveux en un point précis du trajet de ce territoire. L'anesthésie locale correspond à l'anesthésie pratiquée de manière courante dans la prise en charge des plaies. Elle est indiquée par exemple pour la réalisation des points de suture, l'exploration des plaies et leur lavage. Elle est obtenue par simple anesthésie des berges, ce que nous détaillerons par la suite. Elle ne possède pas de contre-indication vraie, hormis des allergies à l'anesthésique utilisées, ainsi que lors de l'usage de l'lidocaïne, la maladie rare qu'est la porphyrie. Ces complications sont l'allergie inaugurale et le passage intravasculaire. L'anesthésie loco-régionale est quant à elle indiquée dès qu'envisageable. On la pratique principalement pour des plaies étendues ou des lacérations qui sont situées dans une zone correspondant à un territoire d'innervation accessible à ce type d'anesthésie. Ces complications, en plus des contre-indications de l'allergie locale, il faut y rajouter les troubles de la coagulation qui soient pathologiques ou iatrogènes, tels qu'un traitement par anticoagulant. On notera également qu'une infection locale au point de ponction constitue une contre-indication, car elle entraînerait un risque de dissémination locale, voire de passage intravasculaire des éléments infectieux. Ces complications, en plus des complications inhérentes à l'usage de l'anesthésie, sont des risques d'hématome pouvant occasionner des syndromes compressifs locaux ou des infections. Nous allons ensuite aborder brièvement la pharmacologie des anesthésiques. Elle se résume en situation d'urgence à un produit, la lidocaïne. Il s'agit du seul anesthésique local disponible en service d'accueil des urgences et utilisable par un non-spécialiste. Ses propriétés antiarythmiques et vasodilatrices ont un rôle majeur dans les complications qu'il peut occasionner. Il faut également savoir que son délai d'action est sujet à une grande variabilité interindividuelle. Pour mémoire, on peut trouver de la lidocaïne adrénalinée, peu disponible aux urgences, qui possède un délai d'action plus court, une durée d'action plus longue et a des propriétés vasoconstrictrices très utiles pour certaines plaies. Elle est proscrite dans des zones à vascularisation terminale, telles que les doigts ou les organes génitaux externes, c'est pourquoi nous n'en parlerons pas durant notre exposé. Avant de passer au bloc des doigts et de la face, nous allons brièvement décrire le déroulement d'une anesthésie locale simple. L'injection se fait en peau saine et désinfectée en partant des extrémités de la plaie avec une aiguille orange enfoncée en intra ou en sous-dermique. L'injection se fait après un retour effectué en tirant sur le piston de la seringue afin de prévenir une injection intravasculaire. L'anesthésie se poursuit en réorientant l'aiguille, puis de proche en proche de cette manière. Dans le meilleur des cas, seule la première piqûre est douloureuse. Concernant les blocs eux-mêmes, nous allons tout d'abord commencer par la main et les blocs des doigts. Les blocs des nerfs principaux de la main n'étant pas traités ici du fait de leur technicité, qui sera généralement au-delà des connaissances d'un externe. Nous allons d'abord parler de l'innervation de la face ventrale. Elle est offerte par deux nerfs, le nerf médian et le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire est destiné à l'innervation des faces ventrales du cinquième doigt et de la moitié médiale du quatrième doigt, ainsi que des secondes et troisième phalanges pour leur face dorsale. Le nerf médian est destiné à l'innervation de la face antérieure des premiers, deuxième, troisième et la moitié latérale du quatrième doigt, ainsi que des secondes et troisième phalanges pour leur face dorsale. La division des nerfs se fait de manière assez systématique avec l'existence d'un nerf pour chaque espace intermétacarpien qui se divise en deux nerfs digitaux collatéraux destinés chacun à un hémidoigt. Les rapports de ces nerfs sont tout d'abord les artères digitales avec lesquelles ils forment des pédicules digitaux et les gaines des tendons des fléchisseurs qu'ils cernent de chaque côté. Cette distribution est similaire pour le pouce hormis le fait que les nerfs digitaux ont un trajet un peu plus aléatoire et ont tendance à surcroiser le tendon du long fléchisseur. Les rapports des nerfs digitaux collatéraux nous donnent le principal bloc réalisable pour la face ventrale des doigts, le bloc de la gaine des fléchisseurs. Il permet l'anesthésie de toute la face ventrale du doigt, ainsi que d'une partie en fait de la face dorsale. Il est très facile à réaliser avec un taux d'échec très faible. Il nécessite par contre une asepsie extrêmement rigoureuse avec un gros risque d'infection si celle-ci n'est pas respectée, et il ne doit pas surtout être réalisé en cas d'infection au point de ponction. Sa réalisation se fait comme suit.
la tête du métacarpien, du grillon voulu, est repérée à la palpation. L'aiguille est introduite à 90 degrés jusqu'au contact osseux en traversant le tendon. Elle est ensuite retirée de 1 à 2 mm. Après retour et éventuellement flexion du doigt de la part du patient, 1 à 2 mm sont doucement injectés en gardant un contact verbal avec le patient et en le rassurant sur la sensation de chaleur et de tension qu'il ressentira. Sa réalisation pour le pouce est similaire avec, si possible, une ponction en regard de la première phalange et surtout dans l'axe du doigt. Sur ce schéma, on constate le trajet de l'aiguille ainsi que les rapports des nerfs digitaux collatéraux ventraux. Passons désormais à la face dorsale. Son innervation est similaire à celle de la face ventrale dans son organisation. Le nerf médian est remplacé par le nerf radial dans sa distribution. Le territoire d'innervation des nerfs digitaux collatéraux dorsaux s'arrête en regard de la première phalange. Leurs rapports sont différents car il n'existe pas de gaine digitale pour les tendons extenseurs. Le bloc qui découle de ces rapports est le bloc digital en bague, de réalisation plus difficile et plus douloureux que le bloc de la gaine des fléchisseurs, avec un risque plus élevé d'injection intravasculaire ou intranerveuse. Son territoire d'innervation correspond aux faces dorsales de la première et de la seconde phalange. Il se réalise comme suit. Le tendon extenseur et le tendon des interosseux est palpé sous la peau. L'aiguille est introduite au travers ou immédiatement en dessous perpendiculairement à la phalange. Le contact osseux doit être immédiat. L'aiguille est ensuite réorientée à la verticale et après retour, 1 à 2 mm sont injectés. Ce bloc est recommandé afin de complémenter une anesthésie de la gaine des fléchisseurs du pouce du fait de la forte prédominance du nerf radial sur la face dorsale. Nous allons à présent traiter des blocs de la face après un bref rappel de son innervation sensitive. Le nerf de l'innervation sensitive de la face est le nerf trijumeau qui se divise en trois branches principales. Le nerf ophtalmique ou 5-1 qui donnera de nombreuses branches à la peau de la face. Le nerf maxillaire ou 5-2 qui donnera une branche principale pour la peau de la face. Le nerf infraorbitaire. Et le nerf mandibulaire ou 5-3 qui donnera une branche principale pour la peau de la face. Le nerf mentonnier. La distribution du nerf ophtalmique s'étend sur toute la zone orbitaire, nasale supérieure et frontale avec deux branches d'intérêt et facilement accessibles aux urgences. Le nerf frontal qui émerge du foramen susorbitaire et le nerf supratrochléaire. Le nerf infraorbitaire offre l'innervation sensitive de toute la région malaire, buccale supérieure et infraorbitaire. Le nerf mentonnier donne l'innervation du menton. Chacun de ces nerfs émerge au sein d'un canal dont le foramen devra être repéré par la palpation manuelle. Les foramen susorbitaires, sous-orbitaires et mentonniers sont alignés sur une ligne commune dite des trois cintres qui passe par la verticale de la pupille. Cette ligne sera un repère essentiel en anesthésie loco-régionale. Passons à présent aux différents blocs de la face. Les blocs du nerf trochléaire et du nerf frontal sont indiqués pour les plaies frontales. Ses principales complications sont une parésie bénigne de la paupière supérieure, une lésion par injection intraneurale, une ponction de l'artère et un syndrome canalaire. C'est pourquoi l'injection intracanalaire est proscrite. Sa réalisation est la suivante. Le foramen susorbitaire est palpé sur la ligne des 3-5. L'introduction après asepsie rigoureuse se fait médialement par rapport au foramen vers le haut, puis réorientant dedans. Sinon, une meilleure méthode consiste à une injection en dehors et au-dessous du foramen susorbitaire, en direction du bord interne de l'œil. L'injection se fait une fois l'aiguille enfoncée complètement, après retour et en retirant doucement. Cette méthode permet en fait l'anesthésie à la fois du nerf frontal et du nerf supratrochléaire. Le bloc du nerf infraorbitaire se réalise comme suit. Le foramen susorbitaire est palpé soit directement, soit après s'être servi du foramen susorbitaire comme repère, sachant qu'il se projette 1 cm au-dessous du bord inférieur de l'orbite. L'aiguille est introduite médialement et en dessous du foramen et obliquement vers le haut. Après retour, 1 à 2 mm sont injectés en retirant l'aiguille. On obtient ainsi l'anesthésie du territoire malaire, idéal pour les plaies de cette zone, ainsi que pour les plaies de la lèvre supérieure. Le bloc du nerf mentonnier possède les mêmes contre-indications et complications que le bloc du nerf infraorbitaire. L'introduction de l'aiguille se fait en dehors du foramen mentonnier, obliquement dedans vers la pointe du menton. On obtient ainsi l'anesthésie de la lèvre inférieure ainsi que d'un hémimenton. Ce bloc réalisé de manière bilatérale est idéal pour les plaies étendues de la lèvre inférieure, toujours délicates.
C'est ainsi que s'achève notre guide. Il est loin d'être exhaustif, mais aura le mérite, du moins nous l'espérons, de présenter de manière simple et didactique ces gestes souvent méconnus ou redoutés et qui sont pourtant d'une très grande utilité.